The CRTV 24-hour news channel, CRTV News, is on the airwaves as a reference, a news gathering and news presentation in the audiovisual landscape. It was launched by the CRTV board chair, Isa Chiruma Bakari, and the director general, Sean Dongo. World Leprosy Day is commemorated in Cameroon with a call for solidarity towards lepers who remain discriminated upon in spite of government efforts and benevolent acts to alleviate their plight. The mortal remains of the Bishop Emeritus of Yokaduma, His Lordship Eugène Jurecko, arrives Cameroon. The Polish clergy, who served as first Bishop of Yokaduma Diocese for 26 years, died at 82 and will be buried this Monday. Good evening. Those are the headlines of our Balingo News. Thanks for joining us. Good evening, Karine. Bien, bonsoir, Esther. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. C'est l'événement dans le monde des médias, l'arrivée de la nouvelle chaîne d'information en continu du service public. À la CRTV, on est tous fiers ce jour et heureux d'avoir accompagné le lancement de CRTV News. La cérémonie officielle a eu lieu au centre de production de Mbaladeu en présence de nombreuses personnalités, au rang desquelles le ministre de la Communication, président du conseil d'administration de l'Office. Retour sur les temps fort de cette cérémonie avec Vanessa Mbakop. C'est un vent nouveau qui souffle dans le paysage de l'audiovisuel au Cameroun. Une ère nouvelle qui commence avec la naissance de la princesse des chaînes d'information en continu, CRTV News. Moment inédit dans l'histoire de la télévision nationale. Un véritable coup de maître salué par le président du conseil d'administration de la CRTV après avoir vécu en direct l'apparition du nouveau-né. Cette chaîne est le premier-né d'une série que la CRTV connaîtra dans très bientôt. Connaissant la hargne, la détermination du directeur général, j'exhorte donc toute son équipe, après nous avoir fait goûter ce premier fruit, de ne pas dormir sur leur laurier. Au rang des invités présents, quelques membres du gouvernement, les responsables de la nouvelle chaîne Tout Info, les différents acteurs de la CRTV mère et des visages bien connus de la scène médiatique. Cet événement spécial était aussi l'occasion de commémorer l'inauguration de l'immeuble siège de la CRTV après 30 ans passés au cœur de la nation, entouré d'un personnel dynamique et polyvalent dont le professionnalisme est aujourd'hui fièrement récompensé. Nous vous élevons à la dignité de commandeur de l'Ordre national de la Valeur. Merci beaucoup. Une récompense au bout de l'effort, mais surtout un encouragement à faire plus. Avec la venue de la nouvelle chaîne Tout Info, il va falloir lever la barre plus haut. Les gens veulent une information fiable, crédible et responsable. Vous aurez un journal à la pointe de l'heure tout au long de la journée. Vous aurez les titres de l'actu, en bref, toutes les 30 minutes. Du changement, tout nouveau, Tout Info, de quoi gagner le pari de la diversité pour une antenne unique et authentique, encore plus attrayante et compétitive. CRTV News, c'est l'aboutissement d'un projet construit pendant plusieurs mois. Objectif, décrypter l'actualité autrement, avec de nouvelles écritures. Les Camerounais attendent beaucoup de cette nouvelle chaîne pour avoir vécu en direct sa naissance. Certains ont livré leurs sentiments au micro de notre reporter Vanessa Mbakop. Depuis le début du mois, on a eu des teasings sur les supports télévisuels et écrits qui nous ont mis en appétit. Et donc la cérémonie de ce matin a un peu répondu à ces attentes. En ce moment, il y a une floraison de sources d'informations, il y a un trop-plein, mais en même temps il y a un vide parfois aussi, en termes de qualité, en termes d'instantanéité. Et donc nous sommes toujours heureux d'apprendre qu'il y a une nouvelle chaîne, et plus particulièrement une chaîne qui se définit comme étant une chaîne d'information en continu. L'avènement de cette nouvelle chaîne est un événement important dans la vie
de la CIA TV d'abord et même dans la vie du paysage médiatique camerounais. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de cette chaîne? On attend qu'elle nous informe en temps réel, ou tout au moins qu'elle nous donne la bonne information. Maintenant, si nous voulons être leader une deuxième fois au cœur de la nation, avec une chaîne d'infos en continu, il faudra que les défis du leader soient respectés dans cette nouvelle chaîne-là. Et c'est comme si c'est moi qui avais accouché. Ça fait plaisir de vivre ce genre d'événement. Quand la chaîne mère naissait, j'étais encore dans le berceau. Du coup, vivre la naissance de CIR TV News, c'est une grande joie. C'est magnifique. Je suis soulagée et heureuse que cet événement de CIR TV News ait eu un tel éclat. Je voudrais vraiment, en ce jour solennel, si vous me le permettez, faire une fleur à toute l'équipe de CIR TV News. C'est une étape qui vient d'être franchie. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure au cours des discours que c'est une marche. Hein, parce qu'on avance vers les sommets et précisément CIR TV News, c'est une marque de ce qu'on est en train d'avancer. CIR TV News n'est donc désormais plus un mystère. La nouvelle chaîne thématique a été officiellement lancée ce jour. Le coup d'envoi a été donné à 9h ce matin avec le tout premier journal présenté par Atabadine Oumar. Un moment inédit qui a mobilisé de nombreux spectateurs venus assister à ce lancement dans les coulisses de la nouvelle chaîne Tout Info. Notre reporter Lucrèce Madoudjemba. Elle est là, la princesse des chaînes d'information en continu au Cameroun. Evelyne Ohona Esomba et Benen Boumagana arrosent, pour ainsi dire, sa naissance sur le plateau et en direct. Le champagne sabré, il faut lancer le journal de CIR TV News. La pression monte, c'est le branle-bas en studio. Il faut trouver le bon cadre, on ajuste les caméras, le son n'est pas en reste. Le poids du stress et la charge de la responsabilité alternent sur le visage de la présentatrice, Atabadine Oumar. De la régie, où se sont agglutinés les responsables de la maison, la réalisatrice Redney Coman, sur les braises, ne rate pas le décompte. À l'heure dite, le générique du tout premier journal de CIR TV News est lancé. Et si tout se passe bien à l'antenne, c'est que le chef de chaîne Serge Guifo et le Michel Ngoubé, le directeur des technologies et solutions, veillent au grain dans les bancs de montage et à la diffusion. Le directeur des antennes Emmanuel Mbédé prend les premières notes de la tenue d'antenne de CIR TV News. Le personnel de l'office, lui aussi, a les yeux rivés sur l'écran. Sereinement, Atabadine Oumar déroule le contenu de son journal et après 10 minutes, le générique de fin est lancé. Salve d'applaudissements en régie. La présentatrice partage son émotion. Le journal s'est bien passé, plus ou moins, parce que la perfection n'existe nulle part. On a lancé, on va continuer à s'améliorer pour que les prochaines éditions soient encore plus belles. Premières appréciations du top management également. Je suis fier de vous, mais vous devez continuer et faire encore mieux. Il y a des détails à régler, mais c'est normal, ce n'est qu'un premier essai. CIR TV News, c'est un journal toutes les heures et un bulletin d'information à la demi. Beau Bernard Fonca s'y prépare. Il faut également tenir le pari de ce premier bulletin d'information bilingue. Le présentateur décompresse comme il peut. 9h30, le générique du bulletin d'information bilingue est lancé. Atabadine Oumar et Beau Bernard Fonca sont aux commandes. Bienvenue à ce bulletin bilingue d'information sur CIR TV News. Bonjour Beau Bernard. Bonjour Atta, thanks for joining us. 3 minutes d'information bilingue et c'est le générique de fin. Deuxième test réussi pour CIR TV News. Beau Bernard a juste le temps de partager ses émotions avec nous, puis retour sur le plateau pour le journal de 10h en langue anglaise. À CIR TV News, l'info n'attend pas. Pour moi personnellement, c'est une belle expérience, c'est quelque chose d'excitant à la limite et je suis content de le faire et j'espère qu'on va continuer comme ça. Et ce sera ainsi avec CIR TV News, des informations en continu, en temps et en heure, soyez des nôtres. Welcome back. The CIR TV 24-hour news channel is here. CIR TV News hit the airwaves this morning at 9 a.m. with its first series of newscasts and bulletins. The official launch of the channel was done at a production center supervised by the CIR TV board chair Issa Chiruma Bakari and coordinated by the director general Sean Dongo. It was also an occasion to celebrate 30 years of the inauguration of the production center by the head of state Paul Biya. Emmanuel Avenue has the details.
An exciting adventure witnessed and applauded by all. CRTV News hits the airwaves with Everything News for the public by a team ready to surmount the challenges associated with a 24/7 broadcast. From renowned journalists in Cameroon to government officials and diverse guests, the birth of CRTV News is history in the making. To have a channel only for news, mostly for news, is a wonderful improvement which we can only compare with the Western world. So CRTV has come up to date to be very competitive. It brings the young girl and the young boys who are in charge here now to serve to the public the fresh information they bring from the field. That is a big regret for my generation. We have not been able to do so because there was nothing existing as such. Not only does it bring a fresh breeze to the audiovisual landscape in Cameroon, but it comes 30 years after CRTV's head office and production center in Balatu was inaugurated. To the board chair, the corporation has come of age and now needs government backing more than ever before. You are adequately equipped to meet such a challenge. Rest assured that you have the government's entire support in this mission, which should allow the CRTV to give better exposure to the action of the state in favor of the populations. In the line of this new step ahead is a dynamic management whose efforts are recognized with distinctions. Recognition, no doubt, but a call for more professionalism, and so the anniversary kick can now be savored. CRTV News is thus on TV screens of Cameroonians, and so shall it be for as long as news happen and for as long as the public desire to know. CRTV News, which will be broadcasting for now from 9 a.m. to 7 p.m. daily, is expected to be a reference in news gathering and presentation at a time when rumor and fake news arrive in the audiovisual sector. The guests at today's launch also wish to see the channel reach out to the average Cameroonian and to go beyond institutional news. Emmanuel Avenue caught up with a couple of them. This is what they had to say. We were here when this building was inaugurated, and today we are also here for the launching of a CTV News. I think to God be the glory, because CRTV has really evolved, and I want to praise the general manager of CRTV for this wonderful initiative and big event, because he is putting into use the head of state's promise of getting the young people on board. I was very glad that we remember those who begin television in Cameroon. It's a very good thing. What the viewers should expect from CRTV News is more news, nothing but the news, as our motto is, news in all his declinations. CRTV News has been launched at a time when Cameroonians desire to receive information when it occurs and wherever they are. CRTV's management is relying on the dynamic, young and vibrant personnel who've been told to work for the steady growth of CRTV News. The corporation's board chair, Issa Chirimabakari, has lauded the initiative and qualified CRTV as ready for the new challenge. Kilian Dandifon tells us more. This is history in the making. The history is the CRTV News channel. Whenever and wherever news breaks, you will be the first to know. CRTV News, c'est jour de naissance. Aujourd'hui, la Ata Badine Ouma broke the news at 9 a.m. with freed hostages of Boko Haram in the Far North region. And the attention was unprecedented. 9:30, a duo for the news briefs. And so shall it be. The studio, the style, all epitomize something big. Cheers. Merci. 10 a.m. Fonka Muta Bobena came up with the news bulletin in English. And that's how it will be from now. The difficulty is starting. And once you start, if you succeed to get the start, to take off well, then the rest kind of falls in place. There was a little bit of tension today because of the historic significance of the event, but part of
I would say, experience is making sure that that tension doesn't last long, that pressure doesn't last long, that it subsides very fast and you get back into your skin of a host who has to present information. I'm very happy because when you are a key technical person and things go on very well, I can have a smile now. Other presenters relayed the different shifts. The launch of CRTV News was supervised by CRTV Board Chair Isachi Roma Bakari and coordinated by the Corporation's Director General, Charles Ndongo. Et très belle et longue vie à CRTV News. Dans l'actualité également, 150 anciens malades de la lèpre entourés de l'affection de la première dame, Madame Chantal Biya, et du CERAC. Ils ont reçu ce jour des dons. C'était à l'occasion de la 65e journée mondiale de la lèpre qui se célèbre ce 28 janvier. Marie-Thérèse Abenandoa, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, conduisait la délégation du CERAC. Joseph Clément. Lieu emblématique de la prise en charge de la lèpre au Cameroun, le centre Jamo de Yaoundé s'entoure des oripeaux de célébration pour commémorer la 65e journée mondiale de la lèpre. Chef de la délégation du Cercle des Amis du Cameroun, Marie-Thérèse Abenandoa apporte des dons destinés à 150 anciens malades de la lèpre et à leurs familles. Des kits de médicaments, des denrées alimentaires, des produits de première nécessité, mais aussi ses encouragements de la première dame camerounaise. La première dame, Maman Chantal Biya, n'oublie personne. Et ces anciens malades ne doivent pas être exclus de notre société. Nous devons tout faire pour les rendre autonomes et leur permettre de participer au développement de notre pays. Pour les autorités religieuses, Madame Chantal Biya est une intendante de Dieu par sa capacité à se soucier des autres. Bénéficiaire du jour, les anciens malades de la lèpre le reconnaissent si bien. Ce que vous faites pour les lépreux du Cameroun, nul autre ne peut le faire en dehors de Dieu qui vous envoie merci. Cerise sur le gâteau, ce bœuf offert par Mme Chantal Biya aux anciens malades. Moi déjà polyhandicapé, avec un monsieur comme ça, qu'est-ce que je veux faire? Je veux avoir ça, je veux aller manger, je ne peux pas me déplacer. Mais je fais l'agriculture, je fais tout, mais je n'ai pas de moyens. Quand je reçois ça, ça va m'aider beaucoup. Au ministère de la Santé publique, le combat contre la lèpre continue. La lèpre constitue encore et encore un problème de santé publique. Parce que nous avons encore des nouveaux cas dépistés. Le message pour cette célébration est de sensibiliser les populations pour que les gens viennent très tôt à l'hôpital pour se faire dépister et pour se faire traiter. D'autant plus que nous avons le traitement. La polychimiothérapie marche et ça guérit. C'est une maladie curable et le traitement est gratuit. Un seul enfant atteint de la lèpre est un malade de trop. Le thème de la 65e journée mondiale de la lèpre est à lui seul un plaidoyer pour un dépistage précoce de la maladie. Le CERAC s'y emploie déjà. Aujourd'hui encore au Cameroun, les malades de la lèpre font face au quotidien à toutes sortes de difficultés liées à leur pathologie. Le 20h30 vous emmène ce soir à la rencontre de Maman Pauline qui vit avec la lèpre depuis l'âge de 8 ans. Elle s'est confiée à notre reporter Lucie Colette Avoulou. Maman Pauline, 64 ans, a été atteinte par la lèpre depuis l'âge de 8 ans. À cette époque, le traitement n'était pas encore accessible à tous, d'où son choix, porté vers la médecine traditionnelle. Une solution qui n'a pas été bénéfique pour elle, car elle a développé des complications. En dépit de tout cela, elle a pu procréer 15 enfants. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a émergé socialement. Maman Pauline est donc obligée de faire de la manche. Je chauffe au soleil avec la poule pour demander les 10 francs pour manger. N'importe où là où je vois les gens passent, je m'assois. Mon fils, papa, attends, mandom, eh ou pas? Tu donnes 100 francs, l'autre donne ses 200 francs. Tous mes enfants, ils ont eu le CP. Mais pour continuer, ça m'a découragé. Le regard de la société face à cette sexagénaire frise le mépris. Comme j'étais à la fête comme ça, si quelqu'un veut le riz, tu le vois chez moi. Maman, donne-moi un peu le riz. Après, quand il n'y a plus le riz là, je ne parle pas là-bas. Tu sais que tous les vieux sont les sorciers, encore malades. Même si on m'insulte, je fais comment? Ma fille là, elle n'est
pas en mariage. Tu viens, tu donnes un enfant avec lui. Après, quand tu me vois, acta, je ne savais pas. Les individus porteurs de cette pathologie devraient bénéficier de l'attention de tous pour sortir de la stigmatisation et du rejet. Ebolova est les cicatrices de la lèpre. Les victimes de cette maladie, autrefois mises en quarantaine, se sont peu à peu intégrées dans la localité de Ngalan, par exemple. Les anciens malades de la lèpre sont aujourd'hui plus épanouis. Ceci grâce à l'encadrement d'une religieuse, sœur Marie-Josée, rompue à la tâche depuis 31 ans. Le reportage de Anissé et Siane, CRTV Sud. Reculé mais pas isolé, ce village d'anciens malades de la lèpre, situé à 2 km du centre urbain d'Ebolova, a cessé il y a longtemps d'être le lieu commun de tout le monde. Ses habitants sont parfaitement intégrés dans la communauté villageoise de Ngalan. Nous avons la progéniture, mais d'autres fréquentent encore. Ils ne sont pas sur place pour le moment. Bon, ça va, ça va. 15 malades partagent pour autant encore le quotidien de la cinquantaine d'anciens lépreux de cette communauté. Des hommes et des femmes qui vivent essentiellement des activités agro-pastorales sous l'encadrement de cette religieuse catholique de 64 ans. Nous avons comme l'activité plus forte, c'est l'huilerie avec la palmeraie. Avant, elle était bien active. Elle n'est pas plus active comme avant parce que le manque de main-d'œuvre, comme les malades sont déjà amortis. Une lourde charge que la sœur Marie-Josée assume depuis 1987. Je l'ai trouvée ici comme ma bienfaitrice. Elle m'a reçue, elle m'aide, elle me soigne quand je suis malade, elle me donne le manger. Malgré les conditions de vie difficiles et le handicap imposé par la maladie, les habitants de Ngalan continuent de sourire à la vie. In health news, the 65th World Leprosy Day has been commemorated with an appeal for national solidarity and love towards lepers. At the Jamo Hospital in Yaoundé, where patients who suffer from the pathology are hosted, the Circle of Friends of Cameroon, championed by First Lady Chantal Biya, donated food items, pharmaceutical products and other basic needs to close to 150 patients and their families. Staff Lady Nagakebi reports on the gesture of the Sirak women led by Minister Marie-Thérèse Abinaoundoua. True to her commitment and determination to bring smiles and hope to vulnerable persons nationwide, the 65th World Leprosy Day was a moment for Mrs. Chantal Biya and her Serac women to demonstrate love and solidarity towards leprosy victims of the Jamo Hospital Center. We should not exclude these former patients or those who are still ill from leprosy. We should do everything to integrate them. Those who are cured can take part in the development of our society. We should do everything to render them autonomous. Headed by Minister Marie-Thérèse Abinaoundoua, the Serac delegation came with a variety of gifts, notably foodstuff, well arranged in bags. At one corner of the scene were close to 150 victims of leprosy and their families, all appreciating the gifts from Mrs. Chantal Biya and Serac. I am very glad for Madame Chantal Biya. I wish good life, long life and prosperity. I am very glad for name, old name for all disability people. Today is a great, very glad for him. A continue for this action. It all started with ecumenical prayers. The men of God preached love and solidarity towards lepers who were initially isolated in the past. But with the coming of Christ, they have been liberated. According to Professor Kula Sinota Siro, the representative of the Minister of Public Health, leprosy is not a taboo, but a disease that can be treated when diagnosed early. Leprosy is a disease which is caused by a microbe which is known, which is called Mycobacterium leprae, and it can be healed.
we now have the treatment. The important message is for people to go early enough for early detection. The government is out to put an end to discrimination and stigmatization towards leprosy patients. The Sarawak delegation took time to ensure that the gifts were handed to the right beneficiaries. Meantime, Minister Marie-Thérèse Abena Ondoa and the delegation of Sarawak women also presented Mrs. Chantal Bia's special donation, a cow for feasting. 65 years since the institution of World Leprosy Day, lepers continue to live as outcasts in their own land. One of them is 64-year-old Mama Pauline, whose life has been full of difficulties and illnesses. Diagnosed with leprosy at the age of 8, she's today a mother of 15 children, with the most educated being a holder of a first school living certificate. Her daily challenges and the population's perception of lepers in this report by Emmanuel Avenue. When you hear her story with leprosy, you get teary eyes. For 64 years, Mama Pauline does not know how life is without illness. Struck by leprosy at just 8, she has battled with the disease till date. With no fingers left on her hands, an amputated leg, and no toes on her remaining foot, this mother of 15 lives a life of misery. Without a leg or fingers, I can't do anything. I had to start begging to survive. I sleep in the open sometimes just to get what to eat. She has lived as an outcast, later as a patient in the leprosy camp, but today under her unfinished house with her husband, himself a leper. In this difficult life, she finds time to wear a smile and in her open arms receive her grandchildren. Someone helped us with plank and zinc to cover where we stay in the village. If not, I would probably live on the street. With little or no money, the 64-year-old does not take any leprosy treatment. She has tried traditional medication for years. Her 15 children, the highest educated being a holder of a first school living certificate, can barely support the sick woman, and society on its part continues to stigmatize leprosy patients. People call me all sorts of names. To them, every old person is a witch, not to talk of someone ill like me. But I come to Yaoundé to beg, despite all the insults I receive. She is just one of the multitude of leprosy patients in Cameroon living a life of untold misery and that of strangers in their own land. In the South region, persons affected by the skin disease periodically receive assistance from governments and persons of goodwill. Although the majority are resigned to their fate, Lingalan community is gradually allowing lepers to integrate in society. They've been benefiting from the support of a Catholic missionary, Sister Marie-José, for some 3 decades. Clarence Azay tells us more. A bright smile that has been a source of hope to lepers of the Lingalan Leprosy Center for 31 years now. Sister Marie-José left comfort in her home country, Brazil, to be at the service of lepers. I came here on the 6th of November 1987. The sister who was in charge of this center was called Sister Odile Marie. When it was time for her to return to France, she notified the church to look for someone to replace her. Given that it was my dream to visit Africa, I offered to come. At 64, she has spent over half of her lifetime in this center. Every morning, she visits the lepers to check on them, as well as their children and grandchildren. The lepers call her mother. She cares for me, gives me food, and even money when I am in need. She carries their burdens in heart. She has set up a palm plantation and oil mill for the 15 lepers in the center. The difficulty I have now is that I can no longer work as I used to do before. I lack the means. Sister Marie-José now speaks the local Bolu language and does it with passion. The care she offers to the lepers has become a part and parcel of her life. Sister Marie-José doesn't intend to quit so soon.
On reparle du cacao dans ce journal avec cette équipe d'investisseurs américains en séjour au Cameroun qui se propose d'améliorer la qualité du label Cameroun. Avec l'appui du ministère du Commerce, ils achètent le cacao 200 francs plus cher que les cours actuels et promettent de débourser jusqu'à 2000 francs CFA le kilogramme si leurs conseils sont suivis par les producteurs. Reportage Serge Tanganabissou. Ils ont visité les plantations ordinaires, anciennes technologies, celles dont le produit va rejoindre les autres dans le vrac, au feu des méventes, pour se faire une idée du fossé avec les autres. J'ai été choqué par le malgache qui nous dit, bon, eux, ils ne sont pas concernés par la baisse des cours, tout simplement parce qu'ils sont dans des cacaos qui sont de haut niveau et qui n'ont rien à voir avec la baisse des prix. C'est un peu la réalité et c'est pour cela que nous travaillons aussi à faire reconnaître notre cacao comme tel. Et puis, ils se sont extasiés devant cette plantation de Trinitario à Sanchou. La preuve que le Cameroun peut. Sur le marché international, le cacao du Cameroun est acheté sur le prix du vrac. Quand nous avons cette étiquette collée, nous ne pouvons pas changer les prix immédiatement. Nous allons suivre le producteur à partir des plantations jusqu'au port. Cela va permettre que l'on confirme qu'il y a ce cacao fine flavor coco au Cameroun. Quand c'est mélangé, on ne peut pas vraiment vendre à la vraie valeur. C'est un processus encadré par le ministère du Commerce, faire venir ces spécialistes des marchés de niche. Aujourd'hui, ce sont les Américains. Les effets immédiats ont déjà fait gagner quelques francs au prix du kilogramme. Il a suffi de patienter. Nous avons un client qui prend au prix premium. Prix premium, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du prix fort, eux, ils retirent seulement les charges, ils donnent le reste au producteur. Cette pratique-là a permis d'acheter dans le Grand Bam à 800 au moment où les autres achetaient à 700. Trinitario Forestario, les variétés de cacao qui cohabitent dans nos champs et dans les hangars. C'est la variété Trinitario que les chocolatiers recherchent, le fine flavor. Quand on ouvre ça, on trouve que la couleur est rouge. Spécial, ça c'est très spécial, ça veut dire c'est Trinitario, c'est une variété très rare du monde, mais c'est la variété que tous les chocolatiers chassent pour ça, ils cherchent pour ça, pour les hautes cuisines, le high-end cacao. Michael John part de ce magasin plus que satisfait. Si les tonnes et les tonnes de cacao derrière nous, ici à Sanchou, parviennent à franchir le marché américain, on aura ouvert les portes toutes grandes pour établir la suprématie du cacao label Cameroun. Serge Atangarabisso à Sanchou pour la CR TV. Ouverture demain à Douala dans la 4e session ordinaire du comité de suivi de la mise en œuvre du programme de réforme économique et financière de la CEMAC. Ce sera l'occasion d'évaluer les réformes entreprises par les 6 États de la zone pour faire face à la crise économique. Je vous propose de faire connaissance avec le préf CEMAC. De quoi s'agit-il exactement? Voici les explications de Mélanie Betebe. Concevoir des actions rapides, vigoureuses et coordonnées au niveau national et sous-régional pour la stabilisation du cadre macroéconomique, la transformation structurelle et profonde de l'économie de la sous-région afin d'en renforcer la résilience. Tel est le mandat qui a été donné au préf CEMAC en 2016 par la conférence des chefs d'État de la CEMAC au sorti du sommet extraordinaire de Malabo en Guinée équatoriale. Le but était de ne pas aller à la parité. Le changement de la parité budgétaire, ce que tout le monde connaît sous le nom de dévaluation, mais de tendre vers un programme de réforme, réforme douloureuse, réforme structurelle, mais des réformes visant à relancer la croissance, des réformes visant à redresser les comptes publics. Le choc pétrolier et la baisse des cours des autres matières premières ayant eu un impact négatif sur les États de la sous-région. Le taux de croissance en 2016 en CEMAC, selon les chiffres rendus publics par la BEAC, était en dessous de 0%. Parmi les mesures préconisées aux États par le préf CEMAC, il y a la diversification des économies avec un accent sur la transformation des matières premières agricoles, l'industrialisation et surtout l'amélioration de la gestion des finances publiques, avec une réduction du train de vie de l'État.
des réformes visant à améliorer la qualité de la dépense, des réformes visant à créer un cadre propice pour le développement du climat des affaires et enfin surtout des réformes visant à accroître la capacité de nos États à mobiliser les finances privées par la fusion des deux bourses régionales et faire en sorte que nous puissions lever des ressources qui ne soient plus des ressources de l'État, mais qui soient des ressources disponibles dans notre région et qui étaient séparées en deux depuis 14 ans. Le PRCEMAC est placé sous l'autorité du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Son siège est à Brazzaville, au Congo. Et nous restons à Douala pour parler cette fois de collecte et traitement des ordures ménagères. La reprise en main des activités par la société ZACAM est effective. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain en a fait le constat par lui-même. Jean-Claude Bointiou vient de boucler une visite de travail dans la capitale économique. Le compte rendu de Joseph Itoté à Douala. Selon les chiffres, la production quotidienne des déchets ménagers dans la capitale économique est passée de 800 tonnes à environ 2500 tonnes en l'espace de quelques années. Cette situation, couplée au retard du paiement de la quote-part de l'État dans le processus d'hygiène et salubrité publique, a donné du fil à retordre à ZACAM. Plus la population croît, plus il y a d'activités, surtout industrielles et techniques, plus il y a une diversification des types de déchets. Il fallait donc adapter les moyens logistiques, les moyens financiers à cette augmentation. Depuis le paiement d'une partie de cette créance, ZACAM a repris en main ses activités avec assurance. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain s'en est rendu compte. Nous avions vu comment est-ce que ZACAM s'organise pour pouvoir enlever les ordures dans des poches difficiles qui ne sont pas accessibles dans la journée. Nous sommes satisfaits. Nous allons prendre des dispositions pour que la communauté urbaine et la ZACAM aient des moyens de la politique qu'on leur a confiée. Malgré cette reprise, les difficultés subsistent. Le type de déchets produits, la précollecte et le traitement. ZACAM se dit paré à toute éventualité si et seulement si les moyens financiers sont disponibles à temps. Le défi matériel aujourd'hui est levé, dont nous n'avons rien redouté, que ce soit la concurrence, que ce soit... Nous l'avons connu à Douala, nous savons ce qu'il faut. Les villes propres, le Cameroun en a grand besoin dans la perspective des grands rendez-vous internationaux que le pays s'apprête à abriter. Et bientôt, la fin du calvaire pour les riverains des axes Abem Soudégué, Parakonolinga et Ayos Bakbézé. Les deux tronçons routiers sont en cours de réhabilitation. Une délégation d'officiels du ministère des Travaux publics est descendue sur le terrain samedi. Elle est allée s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Voici le reportage de Oswald Medou. À Soudégué, à une quarantaine de kilomètres d'Akonolinga dans l'Union, Ifumouane a bien raison de danser. C'est que la nouvelle année s'annonce sous de meilleurs auspices. Principale raison de cet état des choses, l'axe Abem Soudégué, qui vient de faire l'objet d'une réhabilitation complète sur la totalité du trajet, soit plus de 28 kilomètres. Mise en place de la plateforme, curage d'hiver, aménagement d'ouvrages d'art et autres remblais ont constitué l'essentiel des travaux de ce chantier inscrit en régie. Et la délégation départementale des travaux publics d'Union Ifumou s'est surpassée pour un résultat honorable. Il lui aura fallu 45 jours sur les deux mois prévus pour quasiment rendre copie, avec en sus quelques tâches supplémentaires pourtant pas prévues dans le cahier des charges. Autre lieu, autre chantier. Ayos est le point de départ d'un important chantier qui doit désenclaver les 102 km qui relient la ville Angelimunduka à l'est. Après les premiers coups de pelle, le changement est perceptible. La population de tous ces tronçons d'Ayos jusqu'à Angelimunduka a été totalement coupée et avait des problèmes pour vraiment atteindre le goudron. Disons la ville d'Ayos, là où passe le goudron. Vraiment, on dit merci à ce geste. Merci à ce travail qui est, on peut dire que c'est bien fait. Et dire que ce n'est encore que le début. Sur les 40 premiers kilomètres, ça circule déjà plutôt bien. La mobilisation de l'entreprise sur le chantier a fini de rassurer la délégation ministérielle, venue s'enquérir de l'état d'avancement du chantier, mais davantage encore de la qualité des travaux déjà réalisés. Toutefois, des consignes précises ont été faites, autant la mission de contrôle qu'à l'entreprise pour une meilleure exécution des travaux. Même si à date, entre avant et après, beaucoup d'eau a déjà coulé sous le pont et en très peu de temps.
In a series on cocoa production tonight, we take a look at the demand for fine flavor cocoa, which is growing rapidly on the international market. Although Cameroon is a major producer of fine flavor cocoa, farmers are yet to know its value and ways of optimizing their yields. With adequate training and sensitization, cocoa producers will earn more money in spite of the falling cocoa prices, as we hear in this report by Constantine Bom. This is a cocoa farm in Sanju in the West region, managed by a cooperative. Visiting the farm are Michael John Headley, the International Director of Future Agribusiness, and Jean Satfak Jagi, who is a program manager of Agrid Cameroon Sustainable Cocoa Program. They are working with these cooperatives to help them understand that they have what it takes to make much money as they own what is called fine flavor cocoa. We want to assure that things can be done better here. And we also know that the producers and everyone here wants to make those improvements. Our approach is to work with the communities to listen to them, not to come with an idea. We have some good ideas, but we want to find out from the communities what is it that they want and need, because frankly, they're the ones who know. Prices for fine flavor cocoa can be up to two or three times higher than those for bulk cocoa. Although we are producing a good fine flavor cocoa in country, but at the market level, they find a mixture which, you know, go into a confusion, and that's why they have that, you know, that designation like, okay, Cameroon cocoa is considered like bulk. Meanwhile, the country has the Trinitario cocoa beans that produces fine flavor. See purple and red. You don't see that in most countries in the world. This means it's Trinitario, which is a high-end cacao. It's fine flavor. It is a special varietal that's rare in the world. That's what we have here. It's just not known as much, and when generally Cameroonian cacao gets to the port, it's filled with dirt, or it's not processed properly, or it's got high humidity. So the buyers often say, oh, that's poor quality. They may know that hidden within it is the best quality, but they can still pay the lower price. Then they clean it and get this high quality, the red color, they call it. 17 countries in the world have fine flavor status, and many more countries are seeking the coveted status. Having the status will give Cameroon a leg up in the marketing of their cocoa to potential customers. In economic news, the fourth ordinary session of the follow-up committee for the setting up of the Economic and Financial Reform Program for CEMAC states opens tomorrow in Douala. The members will be evaluating reforms undertaken by countries of the CEMAC sub-region to contain the current economic hardship. But just what is the CEMAC Economic and Financial Program about? Joyce Kimbifuaju provides answers. The continuous dwindling of prices of crude oil and that of commodities on the world market has negatively affected the economies of the CEMAC sub-region. The Bank of Central African State, BEAC, in 2016 estimated the growth rate of the region at below 0%, indicating a recession. Consequently, during their extraordinary session in Malabo, Equatorial Guinea, in 2016, heads of state of the CEMAC sub-region adopted for the putting in place of the CEMAC sub-regional economic and finance program with the mandate of conceiving strategies to stabilize and accelerate economic growth at national and sub-regional levels in order to contain the economic resilience. We need a joint and common endeavor, joint and common effort, to reach the point where we can bring peace and stability in our region, we can promote business in our region, we can try to mobilize private financing for our economy, for our enterprises, because it is not the public service that can solve all the problems in the region. The program is specifically tailored to ensure the diversification of economy with an accent of transformation of agricultural products of primary necessity, promote industrialization and a judicious public spending in the CEMAC sub-region within all the six countries. What we need, concrete a calendar indicating day by day what we are going to do to achieve the objective. The program, with headquarters in Brazzaville, the Republic of Congo, is placed under the precedence of the President Sassou Nguesso.
Officials of the Ministry of Public Works have been evaluating the level of maintenance works done on some roads in Yong and Fumo division of the center region. After a visit of the Abem Sutsege and Ayers back busy stretches, the engineers outlined what has been done so far and the challenges faced. Mercy Ashu was with the team and now reports for the Balingo News. Their mission is to enlarge these earth roads, grade it, cut trees, build temporary wooden bridges and culverts on this 28-kilometer stretch of road from Abem, Eyangap, to Akom Suzege in the Nyong and Fumu division in 2 months. With the dry season at its peak, these engineers from the Ministry of Public Works have been able to do the job in 45 days and must make sure the same task is carried out along the 102-kilometer stretch from Ayos to Kopdobo before the heavy rains set in. We are in San Juan village, 15 kilometers from Ayos. To leave from Ayos to San village, you would spend about more than 30 minutes for a distance of less than 15 kilometers. The main problem that we had was trying to mobilize a lot of equipment within such a short interval. We had a little problems of obtaining local materials like laterite, and now we have buses coming in as local transportation. The overall mission, according to the engineers, is to facilitate the movement of persons and crops from farms to market stress-free. The exercise, which is unhealthy, will ease life for the local population here. In security news, defense forces in the far north region who have been combating the Boko Haram terrorists have been encouraged for putting their lives on the line for country. The Army Chief of Staff, General René Claude Maker, extended the head of state's appreciation to the soldiers during a four-day visit to the region. Henry Tato Ekambi has more. These demonstrations from these 13 and 14-year-old children that had turned their backs on their former masters Boko Haram was just to show the Chief of Army Staff that the sect still remains a threat in this part of the country. Lieutenant General René Claude Maker did not stop here, but also visited other ex-Boko Haram members who are now resident in the first sector of the multinational joint task force in Mora. Still in the chief town of the Mayo Sabah division, this top military official also made a stop at the 42nd Motorized Infantry Battalion, where he encouraged these soldiers to keep on with the fight that is already yielding fruits. Yet before coming to Mora, the Chief of Army Staff was in Kuseri, where he had meetings with elements of the 41st Motorized Infantry Brigade. There, he heaped praises on the defense forces for securing the borders and confirmed that activities can now resume slowly around the borders with Nigeria and Chad. The Chief of Army Staff, Lieutenant General René Claude Maker, who began and ended his four-day working visit to the far north with a seminar in Marua, emphasized that the war is at its tail end and so the soldiers should keep on with the fight. His visit was also in the presence of the Chief of Land Forces, Major General Baba Soule. Dans le domaine de la formation, les universités publiques et les institutions privées d'enseignement supérieur sont désormais fixées sur les conditions d'éligibilité au Centre d'excellence africain, un concept de la Banque mondiale qui vise à faire des institutions du continent des lieux de formation de spécialistes à même d'apporter des solutions aux problèmes africains. Ceci sur la base de leur projet. Le ministre Jacques Famenongo présidait jeudi la cérémonie d'ouverture de dépôt des projets. Les détails avec Pierre Ibembe. Les représentants des 8 universités d'État et des instituts privés de l'enseignement supérieur ont été suffisamment informés sur la conception et l'élaboration des projets qui répondent aux critères de sélection du concept Centre d'excellence africain. Cette initiative de la Banque mondiale, développée par sa représentante Himda Bayoussouf, va permettre au Cameroun de produire un capital humain dans les domaines scientifiques et technologiques. L'idée est bonne pour notre pays, l'idée est bien pour la production, non seulement pour le développement de notre pays, mais aussi pour la production, comme nous avons tous entendu, d'un capital humain compétitif et compétent pour impacter le développement de notre beau et cher pays, le Cameroun. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famenongo, a invité les étudiants
établissements tant publics que privés à concevoir des projets éligibles pour que le Cameroun obtienne en son sein le maximum de centres d'excellence possible. Le ministère de l'enseignement supérieur prône depuis quelques années la professionnalisation des enseignements et je pense qu'il est vraiment important que cette action de la Banque mondiale s'étende à l'ensemble de la famille de l'enseignement supérieur au Cameroun. Dans notre institution universitaire, par exemple, nous avons les spécialités telles que l'environnement. Et si on veut travailler sur l'environnement, on a vraiment besoin du soutien. Le Cameroun, qui compte déjà un centre d'excellence africain, notamment l'école supérieure polytechnique, entend bien relever le défi du développement en donnant des solutions africaines aux problèmes africains. À présent, la page des vœux du journal, présentation des vœux de nouvel an au ministre des Mines et du secrétaire d'État. La cérémonie protocolaire était ponctuée par la présentation du bilan de l'année écoulée ainsi que des perspectives de l'année 2018. Alvin Gisalzi. Des vœux de bonheur, de santé, de succès au ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique et au secrétaire d'État. Les personnels n'ont pas dérogé à la règle. Intense moment de convivialité, occasion pour le secrétaire général de faire le bilan des 12 derniers mois d'activité. Malgré le bilan élogieux enregistré, de nombreux défis restent à relever en 2018. L'accent sera mis en 2018 sur le travail de terrain. En ce qui concerne le secteur comme le secteur minier, en ce qui concerne le secteur industriel, c'est des actions phares comme la poursuite et la fin de l'opérationnalisation du PDI avec le dernier atelier qui doit avoir lieu avec le secteur privé à Douala. Ernest Ngouaboubou a instruit l'ensemble du personnel de son département ministériel à prendre la pleine mesure de la confiance placée en eux. Cette cérémonie a aussi été marquée par la remise des cadeaux à certains agents appelés à faire valoir le droit à la retraite. Still on Know Your Wishes, the Ministry of Youth Affairs and Civic Education has resolved to prioritize youth development, volunteering and the reinforcement of the National Civic Service Agency for participation in development. Minister Mununa Futsu outlined these objectives for 2018 as he received Know Your Wishes from the Personnel Office Ministry. Emmanuel Avemnu was there now reports. Youth empowerment, their moral rearmament and general well-being coined out in the three-year special youth program and other diverse programs spearheaded by the Ministry of Youth Affairs and Civic Education has been placed at the center of challenges to achieve in 2018. The officials in a New Year wishes ceremony resolved to push for better achievements in civic education and the promotion of national integration by intensifying campaigns in this light. The need to render more functional national civic service agencies for participation in development and reinforce the national program for volunteerism and many more were equally highlighted. But to achieve this, I am counting on greater mobilization and efficiency of our collaborators of local supervisory structures to guarantee that those fundings will reach effectively their beneficiaries and be used for the focus activities. As retired workers of the ministry received medals and gifts of separation, while outstanding staff recognized with prizes, the Ministry of Youth Affairs and Civic Education has taken youth empowerment to heart in 2018, an occasion therefore to revive and bring hope to those who have lost hope and empower them in income-generating activities. At the Ministry of Housing and Urban Development, emphasis will be laid on the construction of decent and low-cost houses in the 10 regions of Cameroon. In preparation of the Africa Cup of Nations in 2019, Minister Jean-Claude Mbwenju enjoined his personnel to be assiduous at work and to ensure the prompt execution of all targeted projects. Kilian Dandifon tells us more. It was a traditional New Year wishes ceremony at the Ministry of Housing and Urban Development. By the great turnout of their staff, high-standing and diverse guests were remarkable. Among them, the Minister for State Property Surveys and Land Tenure, Jacqueline Kung Abesike, underlined by the Minister of Housing and Urban Development, Jean-Claude Mbwenju,
was the fact that 65% of the public investment budget comes from the urban setting, a call for more commitment for resources by the staff. He also noted that 2018 is an election year and a year of reckoning in Cameroon, with particularly presidential election and preparations for the Africa Cup of Nations 2019 Cameroon will host. Outstanding and long-serving staff received Labour Medals of Honor, and the ritual of handshake took hours on end for all the staff of the ministry to file past with reverence and excitement. Micrologie, le corps de Monseigneur Eugène Yurasco, évêque émérite de Yokadouma, est arrivé au Cameroun, décédé le 16 janvier dernier. Il sera inhumé demain lundi à la cathédrale Marie-Reine de la Paix de Yokadouma, c'est dans la région de l'Est. Sa dépouille était accueillie à l'aéroport de Yaoundé-Simalène par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, Pierre Binambarga. Le corps de Mgr Eugène Yurasco revient de sa Pologne natale où il s'est endormi dans la mort le 16 janvier 2018. Selon la tradition de l'Église et la dernière volonté de l'ancien évêque de Yokadouma, Mgr Eugène Yurasco sera donc enterré à la cathédrale Marie-Reine de la Paix au terme de la messe pontificale de Requiem ce lundi. Le grand héritage qu'il a laissé, c'est qu'il est pour nous et pour le diocèse un homme de foi, un homme tout donné à Dieu, un homme humble, simple, un homme qui n'a pas donné à moitié. À l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, ils sont là, archevêques, évêques, prêtres, religieuses et religieux, peuple de Dieu, pour participer à cet office que préside Mgr Jean Barga. L'archevêque métropolitain de Yaoundé salue la mémoire de l'homme de Dieu, le président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun aussi. Tout ce qu'il recevait, c'est pour les autres. Et on l'a envoyé où? On l'a envoyé à Yokadouma. Donc pendant 25 ans, il a travaillé là-bas dans cette en pleine forêt tropicale, nous le savons. Et les conditions de vie ne sont pas faciles. Mais on n'a jamais entendu Mgr Eugène se plaindre, n'est-ce pas, des difficultés qu'il rencontre. Mgr Eugène Yurasco est né en Pologne le 25 décembre 1939. Il est ordonné prêtre le 17 mai 1964 et premier évêque de Yokadouma le 8 septembre 1991. Il quitte cette vie à l'âge de 79 ans. Les populations du Oignon disent adieu à une des leurs. La matriarche Lucie Manga, décédée le 5 janvier dernier, était conduite ce week-end à sa dernière demeure. La cérémonie d'au revoir a eu lieu dans son village natal, Bagbézé 1. Elle était marquée par une messe pontificale et quelques rites traditionnels. Pierre Evembe. Entrée triomphale dans le monde des saints au cours d'une messe pontificale dite par Mgr Yann Oscar, évêque de Douméa-Bomban, pour cette matriarche Nanga Lucie ou encore Mama Lutia ou Mama Lucie, dont le charisme aura marqué tous les aspects de la vie. Chrétienne engagée, militante aguerrie, agricultrice passionnée, et pourtant, cette dame a quitté dans des conditions difficiles une localité fortement enclavée à l'époque pour s'offrir une place au soleil et donner la chance aux autres. Selon les nombreux témoignages, Mama Lucie est un modèle d'intégration et de vivre ensemble. Mama Lucie était ce symbole-là, justement, du vivre ensemble camerounais, de la capacité à transcender les divergences, les différences ethniques. Sa bravoure a été saluée par le chef de l'État Paul Biya dans son message de condoléances à son unique enfant, le secrétaire d'État à la Défense, Jean-Baptiste Bokam, et à toute sa famille, fière de leur héroïne. Je suis en train d'envisager plusieurs projets, notamment créer une fondation en son nom, peut-être créer un orphelinat. Il y a plein de projets sur lesquels on va travailler pour honorer sa mémoire. À 85 ans, elle traverse le pont pour rejoindre le monde des ancêtres qui savent veiller sur les vivants.
La paroisse EPC de Djungolo en fête avec le lancement de la 14e édition de sa fête paroissiale ce jour à Yaoundé. Plusieurs activités sont prévues tout le long de la semaine avec le clou des célébrations dimanche prochain à la paroisse. C'est l'occasion pour les fidèles de se consacrer davantage au service de Dieu en posant des actes de foi. C'était le message ce dimanche. Reportage Elvire Ninangadim. La semaine d'activité de la fête paroissiale à Djungolo s'annonce belle. Le culte d'ouverture de la 14e édition de cet événement s'inspire du livre de Jacques 5, versets 7 à 11 et invite les fidèles à poser les actes de foi. La fête paroissiale dans une paroisse comme Djungolo a besoin, lors de sa célébration, de la présence de tous les fidèles et leur participation effective. Cela ne peut se faire que dans une vie de foi accompagné de la pratique de la patience. La célébration qui va durer 7 jours à pour thème EPC Djungolo, quelle vision à l'horizon de son centenaire. Cette année, l'accent est mis sur l'appropriation de la fête par les paroissiens. Nous essayons d'édifier les membres de notre communauté dans la perspective que bientôt, c'est-à-dire dans 5 ans, nous célébrons le centenaire de notre paroisse. Nous voulons nous rappeler ce que nous étions, d'où nous venons, ce que nous faisons en ce moment et ce que nous ferons pour célébrer le centenaire de notre paroisse. La contribution des paroissiens à l'organisation de la fête et surtout leur participation à toutes les articulations de la fête. C'est l'élément que nous pouvons considérer comme un plus cette année. La suite du programme prévoit conférences, débats, activités sportives, causeries éducatives jusqu'au 4 février prochain. Et bonne fête à tous les paroissiens. Dans la page culture du journal, je vous propose d'aller à la rencontre d'un artiste pas comme les autres, Djelou Ava, instrumentaliste, multi-instrumentaliste. Il est l'un des artistes camerounais les plus éclectiques. Son style musical, c'est le progressive afro-jazz. Djelou Ava se sert de la musique pour promouvoir les valeurs et les richesses africaines. Notre reporter Inès Magoum l'a rencontré. Sa musique est essentiellement instrumentale. Son style musical, c'est le progressive afro-jazz. Un mélange de jazz et de mélodies africaines. J'ai fait ce mélange de sons parce que c'est les Africains qui ont créé le jazz aux États-Unis. Aujourd'hui, je reprends donc l'héritage de nos ancêtres. Israël Jean-Louis, alias Djelou Ava, est auteur, compositeur et multi-instrumentaliste. Il naît en 1960 à Yaoundé au Cameroun. Fils de musicien, il commence à s'intéresser à la musique à l'âge de 8 ans. À la maison, il y avait toujours des instruments de musique et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer la musique. Je joue la musique depuis. J'étais élève, je jouais, étudiant, je jouais. Et à la fin de mes études, j'ai choisi de faire la musique. C'est qu'en réalité, l'artiste est ingénieur informaticien de formation. Et même s'il choisit la musique, il prend très vite conscience de ce que ses connaissances en informatique sont un atout. Ça m'a donné un avantage par rapport à ceux qui ne connaissaient pas les ordinateurs. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est pratiquement indispensable. Par exemple, j'ai arrangé les musiques pour Daniel Wood. Aventurier, Djelou Ava vit actuellement en France. Il est marié et père de 2 enfants. Mais la distance ne l'empêche pas d'avoir des projets pour son pays. J'aimerais vraiment m'investir dans la culture. La musique a un pouvoir de fédération. Donc les messages que les musiciens passent devraient être des messages de paix et d'unification. Djelou Ava travaille aux côtés de nombreux virtuoses, dont Manu Dibango. Aujourd'hui, sa discographie personnelle fait état de 6 albums. Des chefs-d'œuvre. That note, the mortal remains of the Bishop Emeritus of Yokaduma, His Lordship Eugene Uretsko, have arrived Cameroon. The late bishop from Poland, who died last January 16, was the first bishop of the Yokaduma Diocese, where he served for 26 years. A record mass was said at the Simalin International Airport by His Grace Samuel Kleda for the repose of his soul. Ebenezer Akanga has the details.
The remains of the Bishop Emeritus of the Yokadoma Diocese, His Lordship Eugene Juretsko, were received at the Yaoundé Simalé International Airport by the Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga, and the President of the National Episcopal Conference of Cameroon, His Grace Samuel Kleda. A requiem mass was set at the airport for the repose of his soul. The remains of the Bishop Emeritus, who was described as an indefatigable missionary, were blessed during the requiem mass. He offered all what he had for the good of the people of God in the Diocese of Yokadoma. Pray for him and ask God to give him the blessing to rest in perfect peace in his kingdom, so that he should intercede for the Diocese of Yokadoma. The Bishop Emeritus of Yokadoma, Eugene Juretsko, who hailed from Poland, died in his country on January 16, 2018 at 82 after an illness. He came to Cameroon in 1970 and was the first bishop of the Yokadoma Diocese, where he served for 26 years, that is, from 1991 to 2017, before going on retirement. He will be buried this Monday, January 29, 2018, in the Yokadoma Diocese, which he founded and worked so hard to develop spiritually, socially, and economically. In religion, the executive secretary of the Jongolo Parish Consistory in Église Presbyterian Camerounaise has urged participants of the parish to exercise the virtue of patience in all aspects of public life. This was at the church service to launch week-long activities marking the parish feast, as Mercy Ashu tells us. It is the 14th edition of the Jongolo Parish Feast already, and the celebrations begin here in the sanctuary. The worship, yes, it is a prerequisite to the message on patience that has kept the church going for 14 years. The Christians have to be patient. There is no pain to run around, going up and down, trying to get things which we can't have if God can't assist you. On a Sunday like this, the Jongolo Parish hosts three services, one in French, another in Bulu, and yet another in French and Bulu. This is where the program for the week is rolled out. We have an activity every day. Today it was Sunday, the launching of our feast. Tomorrow we have a table round about the theme of the feast. On Tuesday, it is a day of prayer. On Wednesday, we are with our kids. On Thursday, it is also a reflection. We are thinking of what our centenary will be. On Friday, we have a big event here with our chorals who are performing. On Saturday, we are making the cleanup here. We are making sport, and we are ending our feast with a big church on Sunday. From the look of things, this Sabbath is not just aimed at feeding the spirit, but also the body, the mothers of the church say as they display their dishes. And that report brings us to the end of our Balingo News. Thanks for watching. Have a beautiful week ahead. Good night, Karine. Très bonne soirée, Estakima Tabot. Madame, Monsieur, retrouvez dès demain à 19h30 Ben Ménopoufon et puis Aden Bala à 20h30. Bonsoir, excellent début de semaine. With little or no money, the 64-year-old does not take any leprosy treatment. She has tried traditional medication for years. Her 15 children, the highest educated being a holder of a first school living certificate, can barely support the sick woman, and society on its part continues to stigmatize leprosy patients. People call me all sorts of names. To them, every old person is a witch, not to talk of someone ill like me. But I come to Yaoundé to beg, despite all the insults I receive. She is just one of the multitude of leprosy patients in Cameroon living a life of untold misery, and that of strangers in their own land.
In the South region, persons affected by the skin disease sporadically receive assistance from governments and persons of goodwill. Although the majority are resigned to their fate, Lingalan community is gradually allowing lepers to integrate in society. They've been benefiting from the support of a Catholic missionary, Sister Marie-Jose, for some 3 decades. Clarence Azay tells us more. A bright smile that has been a source of hope to lepers of the Lingalan Leprosy Center for 31 years now. Sister Marie-Jose left comfort in her home country, Brazil, to be at the service of lepers. I came here on the 6th of November 1987. The sister who was in charge of this center was called Sister Odile Marie. When it was time for her to return to France, she notified the church to look for someone to replace her. Given that it was my dream to visit Africa, I offered to come. At 64, she has spent over half of her lifetime in this center. Every morning, she visits the lepers to check on them, as well as their children and grandchildren. The lepers call her mother. She cares for me, gives me food, and even money when I am in need. She carries their burdens in heart. She has set up a palm plantation and oil mill for the 15 lepers in the center. The difficulty I have now is that I can no longer work as I used to do before. I lack the means. Sister Marie-Jose now speaks the local Bulu language and does it with passion. The care she offers to the lepers has become a part and parcel of her life. Sister Marie-Jose doesn't intend to quit so soon. On reparle du cacao dans ce journal avec cette équipe d'investisseurs américains en séjour au Cameroun qui se propose d'améliorer la qualité du label Cameroun. Avec l'appui du ministère du Commerce, ils achètent le cacao 200 francs plus cher que les cours actuels et promettent de débourser jusqu'à 2000 francs CFA le kilogramme si leurs conseils sont suivis par les producteurs. Reportage Serge Tanganabissou. Ils ont visité les plantations ordinaires, anciennes technologies, celles dont le produit va rejoindre les autres dans le vrac, au feu des méventes, pour se faire une idée du fossé avec les autres. J'ai été choqué par le malgache qui nous dit, bon, eux, ils ne sont pas concernés par la baisse des cours, tout simplement parce qu'ils sont dans des cacaos qui sont de haut niveau et qui n'ont rien à voir avec la baisse des prix. C'est un peu la réalité et c'est pour cela que nous travaillons aussi à faire reconnaître notre cacao comme tel. Et puis, ils se sont extasiés devant cette plantation de Trinitario à Sanchou. La preuve que le Cameroun peut. Sur le marché international, le cacao du Cameroun est acheté sur le prix du vrac. Quand nous avons cette étiquette collée, nous ne pouvons pas changer les prix immédiatement. Nous allons suivre le producteur à partir des plantations jusqu'au port. Cela va permettre que l'on confirme qu'il y a ce cacao fine flavor coco au Cameroun. Quand c'est mélangé, on ne peut pas vraiment vendre à la vraie valeur. C'est un processus encadré par le ministère du Commerce, faire venir ces spécialistes des marchés de niche. Aujourd'hui, ce sont les Américains. Les effets immédiats ont déjà fait gagner quelques francs au prix du kilogramme. Il a suffi de patienter. Nous avons un client qui prend au prix premium. Prix premium, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du prix fort, eux, ils retirent seulement les charges, ils donnent le reste aux producteurs. Cette pratique-là a permis d'acheter dans le Grand Bam à 800 au moment où les autres achetaient à 700. Trinitario Forestario, les variétés de cacao qui cohabitent dans nos champs et dans les hangars. C'est la variété Trinitario que les chocolatiers recherchent, le fine flavor. Quand on ouvre ça, on trouve que la couleur est rouge. Spécial. Ça, c'est très spécial. Ça veut dire que c'est Trinitario. C'est une variété très rare du monde. Mais c'est la variété que tous les chocolatiers chassent pour ça. Ils cherchent pour ça, pour les hautes cuisines, le high-end cacao. Michael John part de ce magasin plus que satisfait. Si les tonnes et les tonnes de cacao derrière nous, ici à Sanchou, parviennent à franchir le marché américain, on aura ouvert les portes toutes grandes pour établir la suprématie du cacao label Cameroun. Serge Atanganabissot à Sanchou pour la CRTV.
Ouverture demain à Douala dans la quatrième session ordinaire du comité de suivi de la mise en œuvre du programme de réforme économique et financière de la CEMAC. Ce sera l'occasion d'évaluer les réformes entreprises par les 6 États de la zone pour faire face à la crise économique. Je vous propose de faire connaissance avec le préf CEMAC. De quoi s'agit-il exactement? Voici les explications de Mélanie Betebe. Concevoir des actions rapides, vigoureuses et coordonnées au niveau national et sous-régional pour la stabilisation du cadre macroéconomique, la transformation structurelle et profonde de l'économie de la sous-région afin d'en renforcer la résilience, tel est le mandat qui a été donné au préf CEMAC en 2016 par la conférence des chefs d'État de la CEMAC au sorti du sommet extraordinaire de Malabo en Guinée équatoriale. Le but était de ne pas aller à la parité. Au changement de la parité budgétaire, ce que tout le monde connaît sous le nom de dévaluation, mais de tendre vers un programme de réforme, réforme douloureuse, réforme structurelle, mais des réformes visant à relancer la croissance, des réformes visant à redresser les comptes publics. Le choc pétrolier et la baisse des cours des autres matières premières ayant eu un impact négatif sur les États de la sous-région. Le taux de croissance en 2016 en CEMAC, selon les chiffres rendus publics par la BEAC, était en dessous de 0%. Parmi les mesures préconisées aux États par le préf CEMAC, il y a la diversification des économies avec un accent sur la transformation des matières premières agricoles, l'industrialisation et surtout l'amélioration de la gestion des finances publiques avec une réduction du train de vie de l'État. Des réformes visant à améliorer la qualité de la dépense, des réformes visant à créer un cadre propice pour le développement du climat des affaires et enfin surtout des réformes visant à accroître la capacité de nos États à mobiliser les finances privées par la fusion des deux bourses régionales et faire en sorte que nous puissions lever des ressources qui ne soient plus des ressources de l'État, mais qui soient des ressources disponibles dans notre région et qui étaient séparées en deux depuis 14 ans. Le préf CEMAC est placé sous l'autorité du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Son siège est à Brazzaville, au Congo. Et nous restons à Douala pour parler cette fois de collecte et traitement des ordures ménagères. La reprise en main des activités par la société ZACAM est effective. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain en a fait le constat par lui-même. Jean-Claude Bointiou vient de boucler une visite de travail dans la capitale économique. Le compte rendu de Joseph Itoté à Douala. Selon les chiffres, la production quotidienne des déchets ménagers dans la capitale économique est passée de 800 tonnes à environ 2500 tonnes en l'espace de quelques années. Cette situation, couplée au retard du paiement de la quote-part de l'État dans le processus d'hygiène et salubrité publique, a donné du fil à retordre à ISACAM. Plus la population croît, plus il y a d'activités, surtout industrielles et techniques, plus il y a une diversification des types de déchets. Il fallait donc adapter les moyens logistiques, les moyens financiers à cette augmentation. Depuis le paiement d'une partie de cette créance, ISACAM a repris en main ses activités avec assurance. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain s'en est rendu compte. Nous avions vu comment est-ce que ISACAM s'organise pour pouvoir enlever les ordures dans des poches difficiles qui ne sont pas accessibles dans la journée. Nous sommes satisfaits. Nous allons prendre des dispositions pour que la communauté urbaine et la ISACAM aient des moyens de la politique qu'on leur a confiée. Malgré cette reprise, les difficultés subsistent. Le type de déchets produits, la précollecte et le traitement. ISACAM se dit paré à toute éventualité si et seulement si les moyens financiers sont disponibles à temps. Le défi matériel aujourd'hui est levé, dont nous n'avons rien redouté, que ce soit la concurrence, que ce soit... Nous l'avons connu à Douala, nous savons ce qu'il faut. Les villes propres, le Cameroun en a grand besoin dans la perspective des grands rendez-vous internationaux que le pays s'apprête à abriter. Et bientôt, la fin du calvaire pour les riverains des axes à Bem-Soudégué, par Konolinga et à Yos-Bakbézé. Les deux tronçons routiers sont en cours de réhabilitation. Une délégation d'officiels du ministère des Travaux publics est descendue sur le terrain samedi. Elle est allée s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Voici le reportage de Oswald Medou.
À Soudzégué, à une quarantaine de kilomètres d'Akonolinga dans l'Union, Ifumouane a bien raison de danser. C'est que la nouvelle année s'annonce sous de meilleurs auspices. Principale raison de cet état des choses, l'axe Abem Soudzégué, qui vient de faire l'objet d'une réhabilitation complète sur la totalité du trajet, soit plus de 28 kilomètres. Mise en place de la plateforme, curage divers, aménagement d'ouvrages d'art et autres remblais ont constitué l'essentiel des travaux de ce chantier inscrit en régie. Et la délégation départementale des travaux publics d'Union Ifumu s'est surpassée pour un résultat honorable. Il lui aura fallu 45 jours sur les deux mois prévus pour quasiment rendre copie, avec en sus quelques tâches supplémentaires pourtant pas prévues dans le cahier des charges. Autre lieu, autre chantier. Ayo, c'est le point de départ d'un important chantier qui doit désenclaver les 102 km qui relient la ville Angelmunduka à l'est. Après les premiers coups de pelle, le changement est perceptible. La population de tout ce tronçon d'Ayo jusqu'à Angelmunduka a été totalement coupée et avait des problèmes pour vraiment atteindre le goudron. Disons la ville d'Ayo, là où passe le goudron. Vraiment, on dit merci à ce geste. Merci à ce travail qui est, on peut dire que c'est bien fait. Et dire que ce n'est encore que le début. Sur les 40 premiers kilomètres, ça circule déjà plutôt bien. La mobilisation de l'entreprise sur le chantier a fini de rassurer la délégation ministérielle, venue s'enquérir de l'état d'avancement du chantier, mais davantage encore de la qualité des travaux déjà réalisés. Toutefois, des consignes précises ont été faites, autant à la mission de contrôle qu'à l'entreprise pour une meilleure exécution des travaux. Même si à date, entre avant et après, beaucoup d'eau a déjà coulé sous le pont et en très peu de temps. In a series on cocoa production tonight, we take a look at the demand for fine flavor cocoa, which is growing rapidly on the international market. Although Cameroon is a major producer of fine flavor cocoa, farmers are yet to know its value and ways of optimizing their yields. With adequate training and sensitization, cocoa producers will earn more money in spite of the falling cocoa prices, as we hear in this report by Constantine Baum. This is a cocoa farm in Sanju in the West region, managed by a cooperative. Visiting the farm are Michael John Headley, the International Director of Future Agribusiness, and Jean Satfak Jagi, who is a Program Manager of Agri Cameroon Sustainable Cocoa Program. They are working with these cooperatives to help them understand that they have what it takes to make much money as they own what is called fine flavor cocoa. We want to assure that things can be done better here. And we also know that the producers and everyone here wants to make those improvements. Our approach is to work with the communities to listen to them, not to come with an idea. We have some good ideas, but we want to find out from the communities what is it that they want and need, because frankly, they're the ones who know. Prices for fine flavor cocoa can be up to two or three times higher than those for bulk cocoa. Although we are producing a good fine flavor cocoa in country, but at the market level, they find a mixture which, you know, go into a confusion, and that's why they have that, you know, that designation like, okay, Cameroon cocoa is considered like bulk. Meanwhile, the country has the Trinitario cocoa beans that produces fine flavor. See purple and red. You don't see that in most countries in the world. This means it's Trinitario, which is a high-end cacao. It's fine flavor. It is a special varietal that's rare in the world. That's what we have here. It's just not known as much, and when generally Cameroonian cacao gets to the port, it's filled with dirt, or it's not processed properly, or it's got high humidity. So the buyers often say, oh, that's poor quality. They may know that hidden within it is the best quality, but they can still pay the lower price. Then they clean it and get this high quality red, the red color they call it. 17 countries in the world have fine flavor status, and many more countries are seeking the coveted status. Having the status will give Cameroon a leg up in the marketing of their cocoa to potential customers. In economic news, the fourth ordinary session of the follow-up committee for the setting up of the Economic and Financial Reform Program for CEMAC states opens tomorrow in Douala. The members will be evaluating reforms undertaken by countries of the CEMAC sub-region to contain the current economic hardship. But just what is the CEMAC Economic and Financial Program about? Joyce Kimbifuaji provides answers. The continuous dwindling of prices of crude oil and that of commodities on the world market has negatively affected the economies of the CEMAC sub-region.
The Bank of Central African State, BEAC, in 2016 estimated the growth rate of the region at below 0%, indicating a recession. Consequently, during their extraordinary session in Malabo, Equatorial Guinea, in 2016, heads of state of the CEMAC sub-region adopted for the putting in place of the CEMAC sub-regional economic and finance program with the mandate of conceiving strategies to stabilize and accelerate economic growth at national and sub-regional levels in order to contain the economic resilience. We need a joint and common endeavor, joint and common effort, to reach the point where we can bring peace and stability in our region, we can promote business in our region, we can try to mobilize private financing for our economy, for our enterprises, because it is not the public service that can solve all the problems in the region. The program is specifically tailored to ensure the diversification of economy with an accent of transformation of agricultural products of primary necessity, promote industrialization and a judicious public spending in the CEMAC sub-region within all the six countries. What we need concrete a calendar indicating day by day what we are going to do to achieve the objective. The program, with headquarters in Brazzaville, the Republic of Congo, is placed under the presidency of the President Sassou Nguesso. Officials of the Ministry of Public Works have been evaluating the level of maintenance works done on some roads in Yong and Fumo division of the Center region. After a visit of the Abem Sutsege and Ayers back busy stretches, the engineers outlined what has been done so far and the challenges faced. Mercy Ashu was with the team and now reports for the Balingo News. Their mission is to enlarge these earth roads, grade it, cut trees, build temporary wooden bridges and culverts on this plateau pour le journal de 10 heures en langue anglaise. À CRTV News, l'info n'attend pas. Pour moi personnellement, c'est une belle expérience, c'est quelque chose d'excitant à la limite et je suis content de le faire et j'espère qu'on va continuer comme ça. Et ce sera ainsi avec CRTV News, des informations en continu, en temps et en heure, soyez des nôtres. Welcome back. The CRTV 24-hour news channel is here. CRTV News hit the airwaves this morning at 9 a.m. with its first series of newscasts and bulletins. The official launch of the channel was done at a production center supervised by the CRTV board chair Isa Chiruma Bakari and coordinated by the director general Sean Dongo. It was also an occasion to celebrate 30 years of the inauguration of the production center by the head of state Paul Biya. Emmanuel Avemnu has the details. An exciting adventure witnessed and applauded by all. CRTV News hits the airwaves with everything news for the public by a team ready to surmount the challenges associated with a 24/7 broadcast. From renowned journalists in Cameroon to government officials and diverse guests, the birth of CRTV News is history in the making. To have a channel only for news, mostly for news, is a wonderful improvement which we can only compare with the Western world. So CRTV has come up to date to be very competitive. It brings the young girl and the young boys who are in charge here now to serve to the public the fresh information they bring from the field. That is a big regret for my generation. We have not been able to do so because there was nothing existing as such. Not only does it bring a fresh breeze to the audiovisual landscape in Cameroon, but it comes 30 years after CRTV's head office and production center in Balatu was inaugurated. To the board chair, the corporation has come of age and now needs government backing more than ever before. You are adequately equipped to meet such a challenge. Rest assured that you have the government's entire support in this mission, which should allow the CRTV to give better exposure to the action of the state in favor of the populations. In the line of this new step ahead is a dynamic management whose efforts are recognized with distinctions. Recognition, no doubt, but a call for more professionalism, and so the anniversary kick can now be savored. CRTV.
RTV News is thus on TV screens of Cameroonians, and so shall it be for as long as news happen and for as long as the public desire to know. CRTV News, which will be broadcasting for now from 9 a.m. to 7 p.m. daily, is expected to be a reference in news gathering and presentation at a time when rumor and fake news arrive in the audiovisual sector. The guests at today's launch also wish to see the channel reach out to the average Cameroonian and to go beyond institutional news. Emmanuel Avenue caught up with a couple of them. This is what they had to say. We were here when this building was inaugurated, and today we are also here for the launching of a CTV News. I think to God be the glory, because CRTV has really evolved, and I want to praise the general manager of CRTV for this wonderful initiative and big event, because he is putting into use the head of state's promise of getting the young people on board. I was very glad that we remember those who begin television in Cameroon. It's a very good thing. What the viewers should expect from CRTV News is more news, nothing but the news, as our motto is, news in all his declinations. CRTV News has been launched at a time when Cameroonians desire to receive information when it occurs and wherever they are. CRTV's management is relying on the dynamic, young and vibrant personnel who have been told to work for the steady growth of CRTV News. The corporation's board chair, Issa Chirma Bakari, has lauded the initiative and qualified CRTV as ready for the new challenge. Kilian Dandifon tells us more. This is history in the making. The history is the CRTV News channel. Whenever and wherever news breaks, you will be the first to know. CRTV News, c'est le jour de naissance. Aujourd'hui, la Ata Badine Ouman broke the news at 9 a.m. with freed hostages of Boko Haram in the Far North region. And the attention was unprecedented. 9:30, a duo for the news briefs. And so shall it be. The studio, the style, all epitomize something big. Cheers. Merci. 10 a.m. Fonka Muta Bobena came up with the news bulletin in English. And that's how it will be from now. The difficulty is starting. And once you start, if you succeed to get the start, to take off well, then the rest kind of falls in place. There was a little bit of tension today because of the historic significance of the event, but part of, I would say, experience is making sure that that tension doesn't last long, that pressure doesn't last long, that it subsides very fast and you get back into your skin of a host who has to present information. I'm very happy because when you are the key technical person and things go on very well, I can have a smile now. Other presenters relayed the different shifts. The launch of CRTV News was supervised by CRTV board chair Issa Chirma Bakari and coordinated by the corporation's director general, Charles Ndongo. Et très belle et longue vie à CRTV News. Dans l'actualité également, 150 anciens malades de la lèpre entourés de l'affection de la première dame, Madame Chantal Biya, et du CERAC. Ils ont reçu ce jour des dons. C'était à l'occasion de la 65e journée mondiale de la lèpre qui se célèbre ce 28 janvier. Marie-Thérèse Abenandoa, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, conduisait la délégation du CERAC. Joseph Clémanda. Lieu emblématique de la prise en charge de la lèpre au Cameroun, le centre Jamo de Yaoundé s'entoure des oripeaux de célébration pour commémorer la 65e journée mondiale de la lèpre. Chef de la délégation du Cercle des Amis du Cameroun, Marie-Thérèse Abenandoa apporte des dons destinés à 150 anciens malades de la lèpre et à leurs familles. Des kits de médicaments, des denrées alimentaires, des produits de première nécessité, mais aussi ses encouragements de la première dame camerounaise. La première dame, Maman Chantal Biya, n'oublie personne. Et ces anciens malades ne doivent pas être exclus de notre société. Nous devons tout faire pour les rendre autonomes et leur permettre de participer au développement de notre pays. Pour les autorités religieuses, Madame Chantal Biya est une intendante de Dieu par sa capacité à se soucier des autres. Bénéficiaire du jour, les anciens malades de la lèpre le reconnaissent si bien. Ce que vous faites pour les lépreux du Cameroun, nul autre ne peut le faire en dehors de Dieu qui vous envoie. Merci.
Cerise sur le gâteau, ce bœuf offert par Mme Chantal Biya aux anciens malades. Moi déjà polyhandicapé, avec un monsieur comme ça, qu'est-ce que je fais? Pour avoir ça, pour aller manger, je ne peux pas me déplacer. Mais je fais l'agriculture, je fais tout, mais je n'ai pas de moyens. Quand je fais ça, ça va m'aider beaucoup. Au ministère de la Santé publique, le combat contre la lèpre continue. La lèpre constitue encore et encore un problème de santé publique. Parce que nous avons encore des nouveaux cas dépistés. Le message pour cette célébration est de sensibiliser les populations pour que les gens viennent très tôt à l'hôpital pour se faire dépister et pour se faire traiter. D'autant plus que nous avons le traitement. La polychimiothérapie marche. Et ça guérit. C'est une maladie curable et le traitement est gratuit. Un seul enfant. The CRTV 24-hour news channel, CRTV News, is on the airwaves as a reference, a news gathering, and news presentation in the audiovisual landscape. It was launched by the CRTV board chair, Isa Chiruma Bakari, and the director general, Sean Dongo. World Leprosy Day is commemorated in Cameroon with a call for solidarity towards lepers who remain discriminated upon in spite of government efforts and benevolent acts to alleviate their plight. The mortal remains of the Bishop Emeritus of Yokaduma, His Lordship Eugene Jurecko, arrives Cameroon. The Polish clergy, who served as first Bishop of Yokaduma Diocese for 26 years, died at 82 and will be buried this Monday. Good evening. Those are the headlines of our Balingo News. Thanks for joining us. Good evening, Karine. Bien, bonsoir, Esther. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. C'est l'événement dans le monde des médias, l'arrivée de la nouvelle chaîne d'information en continu du service public à la CRTV. On est tous fiers ce jour et heureux d'avoir accompagné le lancement de CRTV News. La cérémonie officielle a eu lieu au centre de production de Mbaladeux en présence de nombreuses personnalités, au rang desquelles le ministre de la Communication, président du conseil d'administration de l'Office. Retour sur les temps forts de cette cérémonie avec Vanessa Mbakop. C'est un vent nouveau qui souffle dans le paysage de l'audiovisuel au Cameroun. Une ère nouvelle qui commence avec la naissance de la princesse des chaînes d'information en continu, CRTV News. Moment inédit dans l'histoire de la télévision nationale. Un véritable coup de maître salué par le président du conseil d'administration de la CRTV après avoir vécu en direct l'apparition du nouveau-né. Cette chaîne est le premier-né d'une série que la CRTV connaîtra dans très bientôt. Connaissant la hargne, la détermination du directeur général, j'exhorte donc toute son équipe, après nous avoir fait goûter ce premier fruit, de ne pas dormir sur leur laurier. Au rang des invités présents, quelques membres du gouvernement, la responsable de la nouvelle chaîne Tout Info, les différents acteurs de la CRTV mère et des visages bien connus de la scène médiatique. Cet événement spécial était aussi l'occasion de commémorer l'inauguration de l'immeuble siège de la CRTV après 30 ans passés au cœur de la nation, entouré d'un personnel dynamique et polyvalent dont le professionnalisme est aujourd'hui fièrement récompensé. Nous élevons à la dignité de commandeur de l'Ordre national de la valeur. Merci beaucoup. Une récompense au bout de l'effort, mais surtout un encouragement à faire plus. Avec la venue de la nouvelle chaîne Tout Info, il va falloir lever la barre plus haut. Les gens veulent une information fiable, crédible et responsable. Vous aurez un journal à la pointe de l'heure tout au long de la journée. Vous aurez les titres de l'actu, en bref, toutes les 30 minutes. Du changement, tout nouveau, Tout Info, de quoi gagner le pari de la diversité pour une antenne unique et authentique, encore plus attrayante et compétitive.
CRTV News, c'est l'aboutissement d'un projet construit pendant plusieurs mois. Objectif, décrypter l'actualité autrement avec de nouvelles écritures. Les Camerounais attendent beaucoup de cette nouvelle chaîne pour avoir vécu en direct sa naissance. Certains ont livré leurs sentiments au micro de notre reporter Vanessa Bakop. Depuis le début du mois, on a eu des teasings sur les supports télévisuels et écrits qui nous ont mis en appétit. Et donc la cérémonie de ce matin a un peu répondu à ces attentes. En ce moment, il y a une floraison de sources d'informations, il y a un trop-plein, mais en même temps il y a un vide parfois aussi, en termes de qualité, en termes d'instantanéité. Et donc nous sommes toujours heureux d'apprendre qu'il y a une nouvelle chaîne, et plus particulièrement une chaîne qui se définit comme étant une chaîne d'information en continu. L'avènement de cette nouvelle chaîne est un événement important dans la vie de la CRTV d'abord, et même dans la vie du paysage médiatique camerounais. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de cette chaîne? On attend qu'elle nous informe en temps réel, ou tout au moins qu'elle nous donne la bonne information. Maintenant, si nous voulons être leader une deuxième fois au cœur de la nation, avec une chaîne d'infos en continu, il faudra que les défis du leader soient respectés dans cette nouvelle chaîne-là. Et c'est comme si c'est moi qui avais accouché. Ça fait plaisir de vivre ce genre d'événement. Quand la chaîne mère naissait, j'étais encore dans le berceau. Du coup, vivre la naissance de CRTV News, c'est une grande joie. C'est magnifique. Je suis soulagée et heureuse que cet avènement de CRTV News ait eu un tel éclat. Je voudrais vraiment, en ce jour solennel, si vous me le permettez, faire une fleur à toute l'équipe de CRTV News. C'est une étape qui vient d'être franchie. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure au cours des discours que c'est une marche. Hein, parce qu'on avance vers les sommets et précisément CRTV News, c'est une marque de ce qu'on est en train d'avancer. CRTV News n'est donc désormais plus un mystère. La nouvelle chaîne thématique a été officiellement lancée ce jour. Le coup d'envoi a été donné à 9h ce matin avec le tout premier journal présenté par Atabadine Oumar. Un moment inédit qui a mobilisé de nombreux spectateurs venus assister à ce lancement dans les coulisses de la nouvelle chaîne Tout Info. Notre reporter Lucrèce Madoudjemba. Elle est là, la princesse des chaînes d'information en continu au Cameroun. Evelyne Onaesomba et Benen Boumagana arrosent, pour ainsi dire, sa naissance sur le plateau et en direct. Le champagne sabré, il faut lancer le journal de CRTV News. La pression monte, c'est le branle-bas en studio. Il faut trouver le bon cadre, on ajuste les caméras, le son n'est pas en reste. Le poids du stress et la charge de la responsabilité alternent sur le visage de la présentatrice, Atabadine Oumar. De la régie, où se sont agglutinés les responsables de la maison, la réalisatrice Redney Coman, sur les braises, ne rate pas le décompte. À l'heure dite, le générique du tout premier journal de CRTV News est lancé. Et si tout se passe bien à l'antenne, c'est que le chef de chaîne Serge Guifaud et le Michel Ngoubé, le directeur des technologies et solutions, veillent au grain dans les bancs de montage et à la diffusion. Le directeur des antennes Emmanuel Mbédé prend les premières notes de la tenue d'antenne de CRTV News. Le personnel de l'office, lui aussi, a les yeux rivés sur l'écran. Sereinement, Atabadine Oumar déroule le contenu de son journal et après 10 minutes, le générique de fin est lancé. Salve d'applaudissements en régie. La présentatrice partage son émotion. Le journal s'est bien passé, plus ou moins, parce que la perfection n'existe nulle part. On a lancé, on va continuer à s'améliorer pour que les prochaines éditions soient encore plus belles. Premières appréciations du top management également. Je suis fier de vous, mais vous devez continuer et faire encore mieux. Il y a des détails à régler, mais c'est normal, ce n'est qu'un premier essai. CRTV News, c'est un journal toutes les heures et un bulletin d'information à la demi. Beau Bernard Fonca s'y prépare. Il faut également tenir le pari de ce premier bulletin d'information bilingue. Le présentateur décompresse comme il peut. 9h30, le générique du bulletin d'information bilingue est lancé. Atabadine Oumar et Beau Bernard Fonca sont aux commandes. Bienvenue à ce bulletin bilingue d'information sur CRTV News.
Bonjour Boréama. Bonjour Atta, thanks for joining us. 3 minutes d'information bilingue et c'est le générique de fin. Deuxième test réussi pour CRTV News. Bo Bernard a juste le temps de partager ses émotions avec nous, puis retour sur le... Atteindre la lèpre était malade de trop. Le thème de la 65e journée mondiale de la lèpre est à lui seul un plaidoyer pour un dépistage précoce de la maladie. Le CERAC s'y emploie déjà. Aujourd'hui encore au Cameroun, les malades de la lèpre font face au quotidien à toutes sortes de difficultés liées à leur pathologie. Le 20h30 vous emmène ce soir à la rencontre de maman Pauline qui vit avec la lèpre depuis l'âge de 8 ans. Elle s'est confiée à notre reporter Lucie Colette Avoulou. Maman Pauline, 64 ans, a été atteinte par la lèpre depuis l'âge de 8 ans. À cette époque, le traitement n'était pas encore accessible à tous, d'où son choix, porté vers la médecine traditionnelle. Une solution qui n'a pas été bénéfique pour elle, car elle a développé des complications. En dépit de tout cela, elle a pu procréer 15 enfants. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a émergé socialement. Maman Pauline est donc obligée de faire de la manche. Je me chauffe au soleil avec la poulie pour demander les 10 francs pour manger. C'est n'importe où là où que je vois les gens passent, je m'assois. Mon fils, papa, attends, mangeons, hé ou pas. Tu donnes 100 francs, l'autre donne ses 200 francs. Tous mes enfants, ils ont eu le CP. Mais pour continuer, ça m'a découragé. Le regard de la société face à cette sexagénaire frise le mépris. Comme j'étais à la fête comme ça, si quelqu'un veut le riz, tu le vois chez moi. Maman, donne-moi un peu le riz. Après, quand il n'y a plus le riz là, je ne parle pas là-bas. Tu sais que tous les vieux sont les sorciers, encore malades. Même si on m'insulte, je fais comment? Ma fille là, elle n'est pas en mariage. Tu viens, tu donnes un enfant avec lui. Après, quand tu me vois, acta, je ne savais pas. Les individus porteurs de cette pathologie devraient bénéficier de l'attention de tous pour sortir de la stigmatisation et du rejet. Ebolova et les cicatrices de la lèpre, les victimes de cette maladie autrefois mises en quarantaine, se sont peu à peu intégrées dans la localité de Ngalan, par exemple. Les anciens malades de la lèpre sont aujourd'hui plus épanouis. Ceci grâce à l'encadrement d'une religieuse, sœur Marie-Josée, rompue à la tâche depuis 31 ans. Le reportage de Anissé et Siane, CRTV Sud. Reculé mais pas isolé, ce village d'anciens malades de la lèpre, situé à 2 km du centre urbain d'Ebolova, a cessé il y a longtemps d'être le lieu commun de tout le monde. Ses habitants sont parfaitement intégrés dans la communauté villageoise de Ngalan. Nous avons la progéniture, mais d'autres fréquentent encore. Ils ne sont pas sur place pour le moment. Bon, ça va, ça va. 15 malades partagent pour autant encore le quotidien de la cinquantaine d'anciens lépreux de cette communauté. Des hommes et des femmes qui vivent essentiellement des activités agro-pastorales sous l'encadrement de cette religieuse catholique de 64 ans. Nous avons comme l'activité plus forte, c'est l'huilerie avec la palmeraie. Avant, elle était bien active. Elle n'est pas plus active comme avant parce que le manque de main-d'œuvre, comme les malades sont déjà amortis. Une lourde charge que la sœur Marie-Josée assume depuis 1997. Je l'ai trouvée ici comme ma bienfaitrice. Elle m'a reçue, elle m'aide, elle me soigne quand je suis malade, elle me donne le manger. Malgré les conditions de vie difficiles et le handicap imposé par la maladie, les habitants de Ngalan continuent de sourire à la vie. In health news, the 65th World Leprosy Day has been commemorated with an appeal for national solidarity and love towards lepers. At the Jamo Hospital in Yaoundé, where patients who suffer from the pathology are hosted, the Circle of Friends of Cameroon, championed by First Lady Chantal Biya, donated food items, pharmaceutical products and other basic needs to close to 150 patients and their families. Staff Lady Nagakebi reports on the gesture of the CERAC women led by Minister Marie-Thérèse Abinaoundoua. Through
to her commitment and determination to bring smiles and hope to vulnerable persons nationwide, the 65th World Leprosy Day was a moment for Mrs. Chantal Bia and her Serac women to demonstrate love and solidarity towards leprosy victims of the Jammu Hospital Center. We should not exclude these former patients or those who are still ill from leprosy. We should do everything to integrate them. Those who are cured can take part in the development of our society. We should do everything to render them autonomous. Headed by Minister Marie-Thérèse Abena Ondoa, the Serac delegation came with a variety of gifts, notably foodstuff, well arranged in bags. At one corner of the scene were close to 150 victims of leprosy and their families, all appreciating the gifts from Mrs. Chantal Bia and Serac. I am very glad for Madame Chantal Bia. Mm-hmm. I will be live, long life and prosperity. Mm-hmm. I am very glad for name, old name for all disability people. Mm-hmm. It is very glad for him. Mm-hmm. It continue for this action. It all started with ecumenical prayers. The men of God preached love and solidarity towards lepers who were initially isolated in the past. But with the coming of Christ, they have been liberated. According to Professor Kula Sinota Siro, the representative of the Minister of Public Health, leprosy is not a taboo, but a disease that can be treated when diagnosed early. Leprosy is a disease which is caused by a microbe which is known, which is called Mycobacterium leprae, and it can be healed. We now have the treatment. The important message is for people to go early enough for early detection. The government is out to put an end to discrimination and stigmatization towards leprosy patients. The Serac delegation took time to ensure that the gifts were handed to the right beneficiaries. Meantime, Minister Marie-Thérèse Abena Ondoa and the delegation of Serac women also presented Mrs. Chantal Bia special donation, a cow for feasting. 65 years since the institution of World Leprosy Day, lepers continue to live as outcasts in their own land. One of them is 64-year-old Mama Pauline, whose life has been full of difficulties and illnesses. Diagnosed with leprosy at the age of 8, she's today a mother of 15 children, with the most educated being a holder of a first school leaving certificate. Her daily challenges and the population's perception of lepers in this report by Emmanuel Avenue. When you hear her story with leprosy, you get teary eyes. For 64 years, Mama Pauline does not know how life is without illness. Struck by leprosy at just 8, she has battled with the disease till date. With no fingers left on her hands, an amputated leg, and no toes on her remaining foot, this mother of 15 lives a life of misery. Without a leg or fingers, I can't do anything. I had to start begging to survive. I sleep in the open sometimes just to get what to eat. She has lived as an outcast, later as a patient in the leprosy camp, but today under her unfinished house with her husband, himself a leper. In this difficult life, she finds time to wear a smile and in her open arms receive her grandchildren. Someone helped us with plank and zinc to cover where we stay in the village. If not, I would probably live on the street.